un peu manipulé par Félix. On va aller voir. Je sais que t'as du travail avec ton... On va écouter ce qu'elle dit. Ça va. J'ai toujours du temps pour Spider-Man. L'équilibre travail-vie privée, ça te connaît autant que moi, on dirait. J'essaie de boucler mon article sur les chasseurs. Je vais peut-être même garder mon boulot. Mais, et vous? Ce qui est arrivé à Scorpion, Lee qui est dans la nature? J'arrive pas à me concentrer en sachant en liberté. Ne laisse pas ça tronger. Essaie plutôt de te concentrer sur ce que tu as à faire. C'est pas tout! Quand j'ai affronté Lee, j'ai eu des nouveaux pouvoirs. Ils sont bleus et bizarres. Bon, je suis pas experte en super pouvoirs, mais... C'est peut-être le stress, non? Tout ce qui t'arrive, c'est pas facile. Mais tu n'es pas seule. Même pour Pete et moi, c'est pas toujours évident. Une chose à la fois, d'accord? On va le trouver. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Merci, MJ. Et Miles, surtout sois prudent avec Felicia. Ne lui fais pas confiance, quoi qu'elle dise. Je viens là pour les chasseurs. Il fait la sortie. Oh, on se rappelle. J'ai trouvé Spider-Man. Ça roule. Je viens pour vous arrêter. Je m'occupe de lui. Il porte un masque de COVID. Wow, 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 calme. Wow. Non, faut que j'aille chercher lui. Non, je savais même pas que je peux faire ça. Ok, je suis intéressé. Let's go, prochaine quête. C'est quoi ça déjà? Ah, mais je vais aller... C'est quoi? La flamme, on va-tu le faire? On va faire ça avant? Puis après ça, on va faire la petite quête là, secondaire. Hey MJ, je suis de retour. T'allais me parler de... Pardon, t'allais me parler de quoi déjà? Bon, je suis pas experte en super pouvoir, mais... Non, tout ce qui t'arrive, c'est pas facile. Mais tu n'es pas seule. Ah, les contrôles sont tellement précis. Pour moi, c'est pas toujours évident. Une chose à la fois, d'accord? On va le trouver. Je sais. Merci. Non. Et Miles, surtout sois prudent avec Felicia. Ne lui fais pas confiance, quoi qu'elle dise. Préviens-la pour les chasseurs et fais-la sortir de la ville. Ah, on va rentrer là-dedans. C'est tellement cool qu'ils ont tout accéléré là, pour que le moins possible on fasse des... Oui! On va aller voir les crimes. Ça a l'air d'être un fait important là. Les chasseurs essaient d'installer quelque chose sur ce... Est-ce que tu sais dans combien de temps on récupère? Très joli ce petit avant-poste. Ça vous ennuie si je le réduis en morceaux? Oh.
Ouh, badass. Avec mon camouflage, je risque pas d'avoir ce genre de problème. Récompense de quartier. Ma faute. Le Danny Cass est de retour. J'ai reçu un mail trop mignon aujourd'hui et j'étais obligée de le partager avec vous. Ça dit, cher Danny Cass. Comment ça va, les petits sablés? Ah, ils vont pas me lâcher! Non. Easy, easy, easy. Easy work, man. Les stades de sable n'attendent plus que moi. Je les ai trouvés et ils étaient là à m'attendre. Avec toutes sortes d'armes. Dans quelle galère je me suis encore mis. Les chasseurs en avaient bien après lui. Pas étonnant que Marco flippait. À moi aussi, les jouets de Kraven me font peur. Okay. Ah, ben, ah, faut que je fasse les compétences. J'en ai 4 points. Pas ça. Immédiatement après une première propulsion bioélectrique, appuyez sur L1 et triangle pour enchaîner une deuxième gratuitement. Si vous employez le saut bioélectrique sur une seule cible, la charge de celui-ci démarre à 50%. C'est une bonne affaire, mais est-ce que c'est utile pour l'instant? Peut-être pas. Oh, ok. C'est vraiment précis, ça. Attends, puis mettons Miles. Miles. Appuyez à nouveau sur l'un lors d'un marteau bioélectrique pour projeter les ennemis dans les airs. Frapper les ennemis paralysés par le bioélectrique recharge vos capacités. Augmente le nombre d'éclairs générés dans le... de 3 à 6. Ok, fait qu'on va avoir encore un autre pouvoir. Gadget possible. Impact à seulement. Ok. Quoi ça donne le troisième? Je peux débloquer pas mal de tenues, mais je le ferai pas dans les médias. Pas celle-là. Un quartier des affaires, il n'y en a pas de Spider-Man, on va voir le logo de Spider-Man. Oh, faut que ça soit Spider-Man. Capitaine, merci d'être venu. On a placé des explosifs dans toutes les zones, à part la dernière. Non, l'équipe de démolition est dedans.
Ils sont quatre. Je vais les retrouver. N'éteignez pas vos radios. Et que personne ne touche à ce détonateur. Spiderbot est plus rapide que moi pour les recherches. À toi de jouer, ma puce. Papa compte sur toi. J'avais oublié le retour du Spider-Man. J'avais complètement oublié ça. Non. On va aller par là. De... Ça aurait été 100% à moi. Ok. Ça a l'air très efficace. On va péter cette porte-là, on va monter, on va après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Comment il va y avoir un autre otage? Let's go. On appuie sur carré. On va y parler, mettre le petit saphone. Ah, je pensais pas qu'on pouvait partir en dessous de la chaise. Le film dans la manette est quand même cool. Par la bulle. Je vais devoir monter, on dirait. C'est le moment de tester mon dernier ajout en conditions réelles. Si mon assurance m'indemnise pas, ils vont m'entendre. Ok. Oui, j'ai gâché. J'ai juste pas vu où aller. Le Spider-Bot utilise de l'air comprimé pour alimenter ses propulseurs. Lorsque l'alimentation en air est vide, intéressée sur l'air pour la recharger. Je me demande combien il y en a. On saute, bergère. À l'aide! J'arrive! Je vais bon! Vous n'avez pas vu ça? On va aider ce pauvre petit monsieur. Les pompiers arrivent bientôt. Vous allez bien? Ça va. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas il y a quelques minutes. Avec une bête violette. Clark, j'ai envoyé une nouvelle position. Je sais pas quel qui va plus vite, si par exemple en continu ou juste. Pourtant il nous manque plus personne. Mais si vous le trouvez, on le sortira de là. Ça marche. Pas tant difficile. On est bientôt rendu de toute façon, puis après ça on va passer par les petits conduits, la petite ouverture ici.
prendre sur la tête, là. D'après la prophétie, c'est pas aujourd'hui qu'on doit mourir. Tu veux devenir une adepte de la flamme? Dans ce cas, fais-lui confiance. Une adepte de la flamme? Dès qu'ils ont fini avec le déserteur, on se tire. Les explosifs feront disparaître ce qu'il reste de lui. Avec les preuves. J'ai hâte de voir ton fight avec le petit robot. Je les ai déjà affrontés, hein. Organisés et fanatiques. Ouais, ça, ce ne sont pas des adeptes à Paris. Et alors, pour l'intrigue qui traîne dans les parages, il pourra pas tous nous arrêter. Continue de chercher du matériel. On va en avoir besoin. Tu as profondément déçu la flamme. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien raconté à la police. J'ai jamais parlé de la flamme. Je le jure. Je voulais juste m'en aller. Alors tu aurais dû te souvenir qu'on s'en va tous de la même manière qu'on est arrivé. Dans la douleur. Quoi? Allez-vous-en! L'idole du feu. La prophétie disait que tu te dresserais sur notre route. Une prophétie? Ah, c'est toujours aidé d'être dans une prophétie. Par contre, je suis pas trop fan du surnom. Viens, va descendre de là. Alors, c'est quoi ma prophétie? Oh. Le combat perpétuel? Mourir dans les décombres? Devenir une vraie araignée avec 8 pattes? Ou finir à brûler avec le reste des araignées? Quoi, c'est tout? Oh, d'accord. Pourquoi je me fais tant mal là? Quelqu'un d'autre a entendu ça? Bon, les amis, on peut parler de ça de... Est-ce que tout le monde va bien? À part ce que j'ai assommé, hein, bien évidemment. Il n'est plus vivant que tu ne le seras jamais. C'est avec les autres. Mais vous êtes qui, au juste? Nous sommes les seuls à être dignes de survivre à ce qui se prépare. Non, j'aurais dû en attaquer un autre parce que lui, je l'ai... Il était bientôt fini. Non! Non, j'ai tellement mal fighté. La flamme est éternelle. C'est qui ça? Merci. On peut discuter? Te voilà. Hé! Hey! Vous n'avez jamais aimé que je fume. Yuri? Les voyous m'appellent Spectre. Ça me va plutôt pas mal. J'ai essayé de... Vous étiez où? Ça attendra. Et eux alors? Ils ont fait un choix. Oh, je vais me débrouiller tout seul. Comme quoi, rien n'est impossible. Ah ouais, Yuri s'est rendu une... un vigilant. Apparemment, Yuri est parti. Je me disais qu'il lui faudrait du temps après tout ce qui s'est passé avec Amored. Mais, à la voir avec ce costume... Et un nom comme Spectre. Je devrais garder un œil sur elle. Et l'autre sur la secte. Oh, j'ai pas assez d'yeux en fait. Que les autres. Composant de tenue.
On va faire la compétition. J'ai hâte d'avoir l'affaire de Venom, c'est long. C'est quoi celle-là? Oh, what? Ok, mais celle-là, je vais garder deux points. L'étoile, c'est quoi que j'ai comme toi, là? Okay. Non! Je suis tombé innocent! Je viens de tard. Scarlet Spider, évidemment. Drone abeille. Non, je vais faire une... Ah, un faux Miles. C'était quoi? Affût du parc... Mobile. Affût du des chasseurs. On va faire ça. Bonne neuf. Je voulais juste t'informer que j'ai parlé avec Gloria et que le fils va envoyer un camion de donation à la maison demain pour les dernières affaires de mai. Ah, je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire le tri d'ici là. Tu veux bien annuler? Je te promets que je m'occuperai de tout ça dès que j'en aurai terminé avec... tout le reste. Je vais leur passer un coup de fil. Mais... ne t'épuise pas trop, Parker. Je plaisante pas. Hey, tu sais que je préférerais passer la journée au lit avec toi à lire un magazine scientifique. Un magazine ou autre chose. Trop romantique. Un jour, ça te perdra. Bon, on se dit à plus tard. On va prendre la colonne de vin qu'elle... On va faire la petite affaire là-bas. Des chasseurs essaient de s'installer sur un toit. Je préfère être franc, je suis pas hyper fan des embuscades. J'aurais pu m'aider à la place. Il y a un problème avec votre aéronef. Je vais m'en occuper. Ouh, ça, ça fait mal. Même les chasseurs ont des problèmes techniques. Ça rassure. Ah, on n'a pas de plante ici. On va aller voir c'est quoi la où que les épées la fin des chasseurs. Ouais, lui dans pas longtemps, à cause que ce jeu-là, il est trop cool, pis les déplacements sont insane. On va faire le petit crime avant.
c'est quelqu'un. Il faut que j'intervienne. C'est Spider-Man. Fonce. Fonce. Vous avez crié un... Tu nous auras pas. Pas question. Une victoire de plus pour les gentils. Pas mal plus facile qu'avant. Let's go. Ces chasseurs ont eu leur... Voyons si cette chose a vraiment une cervelle de moineau. Le plan d'une base. Je pourrais étudier tout ça pour savoir ce qui m'attend sur place. Désactive le relais, ils n'auront pas accès au renfort. Bon savoir. Deux autres affûts. Tu t'es bien baladé. Oui. Continue d'explorer les quartiers pour trouver des derniers affûts. On va faire celle-là. Je me suis fait dessus parce que je ne regardais pas, je n'arrive pas à regarder deux secondes parce que mon pied me piquait. Je suis tombé dans la lune parce que mon pied me piquait. Non! Quelle erreur de nous! Thank you.
Mais je t'emmène la misère. J'emmène la misère. Moi, je teste. Oui, bah, mais c'est mon fight le plus dur. De base par ici. Faites pas attention à moi, je fouille juste un petit peu. Voyons où est cette base. Une ou deux toiles feront l'affaire. Pas d'emplacement de base. Peut-être dans le prochain afflux. Problèmes s'accumulent et ne semblent pas vouloir disparaître. Une inflation qui explose. Des élus en carton et un pays tout entier au bord d'un effondrement digne de la chute de l'Empire romain. Mais nous avons un autre problème, bien plus insidieux et bien plus dangereux, et qui plus est, anonyme. Il semblerait qu'un autre justicier masqué cherche à faire régner l'ordre dans nos rues, alors qu'on ne lui a rien demandé. Tous les rapports le concernant font état d'un individu extrêmement violent, vêtu d'un costume violet. Certains d'entre vous ont... Regardez qui était dans le quartier. Oh shit, you're Miles. C'est dans mes fucking coups. On prend une belle petite photo. Excusez. Ça me rappelle les gens qui écrivaient au Bugle et certaines personnes qui y travaillaient. La liberté d'expression, c'est magnifique. Mais entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, il y a parfois une différence. J'aime bien prendre les photos avec Twitter. Plus ça fait plus une vraie ambiance de. Plus ça fait plus, je veux dire. On pourrait faire ça, mais je vais faire la mission principale après.
4 miles. On arrive bientôt. Bien, bien. Sincèrement, on pourrait faire toute une série de photos rien que sur la musique. Oh, un petit crime, on va aller voir le crime et on va faire la mission. Son génie indéniable. C'est difficile à saisir en photo, mais c'est pas mal. Easy word. Éteins l'incendie avant qu'il ait blessé à l'intérieur. C'était chaud. Badass. On va prendre Miles. Passage à 1000 en cours. Ça donne quoi? On dirait que les lieux ont été saccagés. C'est l'occasion de tester la technologie que Gamki a améliorée. Des griffures. Aucun signe d'elle? J'ai trouvé des griffures avec des traces de métal. Je vais essayer de voir si ça correspond à ces griffes. On va le voir de plus proche. De plus près. Il faut juste que j'isole les composants moléculaires des copeaux que j'ai trouvés. Voyons voir ça. Vous avez détruit un atome essentiel. La structure de la molécule est désormais instable. La destruction d'un atome supprime également l'atome voisin. Essaie encore. Ah, que je viens de comprendre. Fait que lui, ça va éliminer lui. Ça colle pas. C'est bon. Ça me prend les petits nouveaux puzzles de même. Du titane. Et quoi d'autre? Ok. Supprime les atomes neutres et permet de supprimer sans risque les atomes voisins corrompus. Ouais, joli. Du cobalt. C'est bien, on avance. Il y en manque un, probablement. Dit qu'on s'ennuyait avec la science. Non, mon erreur. C'est pas vrai. C'est sûr que les atomes corrompus conservent les atomes essentiels.
fait. Du tungstène. Ça colle. Gagné. C'est elle. Des traces provenant de ses semelles. Elle a dû se débattre. Les chasseurs. Elle a voulu prendre quelque chose dans cette cache sur le mur. Ça ressemble à un genre de cache d'urgence. Mais elle est vide. Ça devrait suffire pour reconstituer la scène. Ils l'ont attaquée. Mais elle a pu s'enfuir. Ils sont déjà à ses trousses. C'est exactement pour ça qu'il faut mettre la ville en garde contre les chasseurs. Elle aurait pu... Tiens-moi au courant. Oh ! C'est obligé, c'est elle. On est vite passé de l'avertissement amical à la mission de sauvetage. Felicia a de la ressource, mais quand je vois de quoi les chasseurs sont capables, ça ne me rassure pas. Tu t'inquiètes pour l'ex de ton petit copain ? Quelle compassion ! Voilà. Bon level design, ça. Je les ai loupés de peu, on dirait. Est-ce que tu sais où ils sont partis ? Je vais scanner la zone pour voir. Une nouvelle cache. Mais celle-là est encore verrouillée. Elle a risqué sa vie pour tenter d'y accéder. Il faut que je l'ouvre, mais le courant a été coupé. C'est la ligne électrique qui a été coupée. La panne vient de là. Je parie que ce générateur a un rapport avec la cache. Avec son princeur. Non, faut juste aller en haut. Pour la retrouver, il faut que je réactive ce générateur. Si je relie ma toile au générateur, je pourrais ouvrir la cache. Ça devrait le faire. Nada. Il n'y a pas un autre. On y est presque. On l'a. Ça va nous donner un livre et une photo. Paris. MJ, do you speak French? Not very, very well. Mais vas-y, envoie. Ok. On dirait que c'est un mode d'emploi pour le sceptre de Watoum. Watoum? Bouge pas, je vais faire une recherche. Les chasseurs. Je sais pas où ils vont, mais je dois les suivre. Alors, d'après une traduction de l'arcane mystique, c'est un sceptre antique. Du genre vraiment antique. D'après la légende, son propriétaire peut ouvrir des portails vers n'importe quel endroit. Genre par magie ? Qui sait ce que Black Cat ferait d'un tel objet ? J'ai deux ou trois idées qui me viennent. Miles, on ne s'écarte pas du plan. On est en position. Elle est piégée. Elle est à l'intérieur, c'est sûr. Neutralisons ces chasseurs. Je sais pas à quoi sert ce sceptre, mais c'est éblouissant. J'aimerais pas être à ta place. On va attaquer les trois kills là, comme ça c'est hyper facile à faire. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? On devrait fouiller tout le Sanctum Sanctorum et la forcer à sortir. Ah, elle finira bien par se montrer. On
couvre toutes les issues de toute façon. Black Cat fait de la magie là-dedans. Soit je suis en train de manquer une sacrée rêve. Je sais que c'est toi, l'araignée. Non. L'araignée est là. Oh, je vais tellement la voir, Stealth, j'ai tellement le fait. Fasse attention. J'aurais pu faire ça après. Chaque bâtiment, ça se fait un peu tout seul. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Bon, allons voir ce que fabrique Felicia. La petite araignée veut jouer, on dirait. MJ, elle a volé le sceptre. C'est de la véritable magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, Black Cat, on peut discuter? Tu veux bien ralentir? Lâche-moi, sinon je te téléporte dans l'océan Pacifique. Tout accès à ce canal! Vous utilisez toujours l'ancien. Et toi, t'as rien de mieux à faire, franchement? Felicia, arrête ça tout de suite! C'est trop risqué, même pour toi! C'est qui? Oh, c'est toi, Rookin? Comment ça va avec la vieille araignée? Tu peux arrêter de faire ça! J'essaie de t'aider, là! J'ai pas besoin d'aide, ni de toi, ni de l'autre araignée. Tu sais ce que tu peux faire avec ce cerf? On va juste s'en servir pour voler d'autres œuvres d'art. Oh, vexant. Je vous entends, les comiques. Wow! Mais toi, rien, non mais... Felicia, t'aurais pu blesser des gens! Ah! Les gars, les chasseurs reviennent! Hein? Ils doivent vraiment m'apprécier? On peut en finir ce soir. On peut arrêter le type qui essaie de te tuer. T'as qu'à voler ton propre artefact magique. Oh my god. J'ai pas d'écharpe sur moi. Ce sceptre peut nous conduire à Kraven. Ça n'a rien à voir avec Kraven. Tu m'aides pas à arrêter ce type. Tu es Spider-Man. T'as déjà sauvé cette ville, tu peux recommencer. Spider-Man avait raison. Tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Écoute, mon grand. C'est pas vraiment tes affaires. Mais ma copine est à Paris. Et à cause de moi, des gens lui veulent du mal. Tu as déjà agi par amour?
c'est maintenant qu'elle a besoin de moi, tu comprends? Si seulement j'arrivais à faire plus de 3 mètres avec ce truc. MJ m'a dit de ne pas te faire confiance. Elle est plutôt maligne. Mais je t'invite à faire tes propres choix. C'est la féline! Prenez-la vivante! Elle est à moi! Reste pas là! Portail par ici! Le mode d'emploi de cet artefact n'était franchement pas hyper clair. Après ça, j'ai attaqué le camion. On va réussir à s'en sortir! Ensemble! Allez, toi, tu n'as pas de culot, gamin! Spider-Man! Je suis plus un gamin! Merde. Ok, Spider-Man. Je vais voir ce que tu sais faire. Derrière toi! Elle est partout! J'arrive pas à la voir! En voilà d'autres! Sur le toit! Hé! Hey, utilise ce portail! Je peux la voir! Je pense que ça va, mais c'est sympa de venir m'aider. Ouais, ça me change les idées. On prend. Pour l'instant, j'avais mal des petits coups à fêter avec. Il manque beaucoup. J'en suis peut-être à ma dernière vie. Non, on va t'envoyer à Paris. Ta copine a besoin de toi. T'es vraiment un Spider-Man, toi. Balance les flèches. Concentre-toi. Visualise la tour Eiffel. Au revoir, Félicia. Merci beaucoup. Je sais pas si ça va revenir, hein. Montre-moi Lee.
Vraiment cool cette mission. Elle risque plus rien pour l'instant. T'as fini ton histoire? Je viens de l'envoyer à Jonah. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas y arriver. Miles, va voir à Coney Island. Hein? Pourquoi? Tu sais que Mysterio vient de sortir de prison. Eh bah, il vient d'ouvrir une nouvelle attraction là-bas. Il pourrait être la prochaine cible des chasseurs. Bien vu. Et devine qui d'autre est à Coney ce soir? Indice, ça doit faire un an que t'en passes pour elle. Mec, sérieux? Arrête, me dis pas mec. Toi et Ellie, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu t'entends rien avec elle, tu enfreins les lois de la nature. Ok, on verra. Mais d'abord, on s'occupe de Mysterio. Ok. On va faire ça vu que ça... Ah non, c'est même pas en chemin. Ok. On va aller faire ça direct dans le fond. Non. Oh, yes. Miles d'abord. Après, j'irai faire un tour au parc. Incognito. Mysterium. Pas de malfrats à l'horizon. On devrait aller voir ça de plus près. Quoi? Bonjour. Je suis Quentin Beck, le maître de l'illusion. Et voici Betsy, ma partenaire commerciale, et Cole, ma conseillère technique. Nous vous présentons... la nouvelle génération du divertissement. Laisse tomber. Oh, excellent. Cool. Un jeune homme courageux, prêt à découvrir l'avenir en avant-première. Y a-t-il d'autres esprits téméraires ici présents? Approchez, approchez et découvrez le futur. Une borne devant vous. Avancez tout droit. Si votre expérience vous a plu, parlez-en à vos amis et n'hésitez pas à essayer l'un des nombreux Mysteriums qui ont ouvert en ville. C'est gratuit pour une durée limitée. Merci, Betsy. Je suis sûr qu'il le fera. Bon, on va affiner votre expérience. Pendant que vous regardez ces images, je voudrais que vous pensiez à votre avenir. Ah oui, le flux de données est excellent. Et on a tout ce qu'il faut. J'hallucine. On se débarque. Ne vous inquiétez pas, je supervise la session. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise à un moment, vous nous faites signe. Profitez de votre rêve qui prend vie.
trop cool. Ok, ça j'aime bien. Je sens que ça monte. Ça, ça fait plaisir. Préparez-vous. Let's go. Ok, on change de mood. Allez, je vous entends pas! On y retourne! Let's go! Faut que je le fasse tester à Ganki. Ouais, je vois ça! Désolé, on n'arrive pas à vous voir. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? Elle était en train de chauffer le club, puis il y a des sales types qui ont débarqué. Et là, ils veulent me défoncer! Oh non. J'espère que vous n'avez rien. Non, je me débrouille. Mais vous pourriez pas tout débrancher ou un truc comme ça? Ce n'est pas aussi simple. On fait notre mieux. Truc de ouf. Cauchemar!
Allez-y. Vite. Je pense que si vous terminez le morceau, vous trouverez un point de rupture dans le programme. Ah ouais, cool, ça boîte là. Vous allez bien? Ouais, je suis vraiment désolé. On va tout faire pour comprendre ce qu'il s'est passé. D'ici là... Miles? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, le futur du divertissement a encore des bugs à corriger. Salut. Jolie chemise. Et les chaussures, elles sont trop cool. Enfin, tout est cool. Salut Miles. Ganki. Les gars, c'est mon meilleur ami Harry. Il rentre de l'étranger et il est en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche. Tu veux dire, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche? Salut. Enchanté. Oh, un nouveau job? Il te restera du temps pour les cours? On se débrouillera. On y va? En fait, cette attraction m'a pas mal perturbé. On rentre. Ok. C'était un plaisir, Harry. Pour moi aussi. Hé, hey, ça va? Ouais. En fait, on se voit plus tard. On devrait passer du temps avec Miles, s'assurer que ça va. Ouais, je le ferai. Ok. Isabelle a l'air sympa. Dommage, ils vont louper la meilleure soirée de notre vie, hein? Ok, voilà le programme. Ce soir, on va se refaire le méga... Une transition de fou. ...avec un top 3 de chacune de nos attractions préférées. Bienvenue! Allez, c'est maintenant! Allez, approchez-vous! T'as aucune idée de ce qui va te tomber dessus. Bonne chance, on aura besoin. Non, Pete, tu vas gérer. Ok, tout le monde. Le doigt sur la détente et ceux sur la cible. Et les voilà partis! Le Coney Island Trophy fait son retour en grande pompe après 3 ans d'absence. Et nos valeureux concurrents ont l'air de tenir une forme olympique. Harry, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Je te déconcentre. Mais ça ne marche pas. Oh, le truc de fourbe! Vas-y, Pete! Et tu l'encourages? J'aime pas les tricheurs. Po-po-po-po! Et notre champion titre conserve sa couronne. Attendez, vous voulez pas votre lot? Oh, ça ira, merci. Ça m'irait bien une couronne. Pour la suite du top 3, MJ Watson avec en guest le Speed Demon. Oh, oui. On a qu'à tester les autres attractions sur la route. Si on s'en fait assez, on aura un prix au stand des récompenses. Comment je me suis laissé embarquer là-dedans? Ah, concentre-toi sur ce parfum popcorn. Comment tu peux penser à manger maintenant? Tu me connais? J'ai de nombreux talents. Ouais. C'est ça. Maintenant que la chute vertigineuse est enfin derrière nous... Je suis trop fan de cette attraction. Faire un swish-swish, faire avec le basketball. Ouais, contrairement à d'autres. Approchez, ah, c'est comme ça. J'ai envie de faire... Et c'est le swish parfait. Je savais pas que tu t'intéressais au basket, Harry. J'ai tellement d'énergie ces temps-ci. Je m'intéresse à tout. Au but. Voilà, tu vois quand tu veux. Au but. Une case de cocher. Une case à faire là-bas, on peut prendre le fond. Peut-être une prochaine fois. On pourrait se faire un chamboule tout. Ça
paraît qu'il n'y a rien de plus stable que les structures en pyramide. On va voir ça. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu 20 Pony Bucks au Chamboultou. Ouais, ouais. Personne n'est censé pouvoir faire ça. Ok, ça, c'est fait. Prêt à tester la force de notre amour? Ok, vous deux, allez valider votre coup. Moi, je vais de mon côté. Je vais tester mes vibes de Casanova. Bonne chance. Couple idéal, hein? Pas de pression. Qu'est-ce que cette machine fait sur nous? Que tu devrais peut-être venir t'installer chez moi? Ou que tout est trop incertain pour qu'on l'envisage maintenant? Ouais, peut-être. Wow, ça peut pas être vrai. Il analyse quoi, ce truc, en fait? La température? Ou alors le pH de la peau? Ça m'étonnerait que ce soit aussi sophistiqué. Eh, par ici, on va faire celle-là. C'est quoi, ça? Ah, la grande roue. Qui veut faire du kart? T'as vu comment tu conduis? Ce sera sans moi. Allez, les tourtereaux, on n'a pas exploré le parc. Hey, c'est... j'ai juste le monde grandi dans la tête, mais c'est pas ça. Tombstone. Attendez. C'est Tombstone? Qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait qu'il est mécano pour le parc et qu'il rend service. Merci de m'avoir tiré de là. Je sais pas comment j'aurais fait. On ferait peut-être mieux d'aller essayer les montagnes.